One, two, three, fight! Je vais vous présenter les CSP. Donc déjà, qui est-ce qui connaît le CSP? Ok, donc, je ne vais pas demander qu'est-ce qu'il a utilisé en prod du coup. Parce que... Donc, je vais déjà me présenter, donc, je m'appelle Laurent, je suis développeur et je travaille chez Jolicode. Donc CSP c'est quoi? Donc typiquement déjà c'est Content Security Policy. Donc le but, c'est d'une couche supplémentaire qui va permettre d'éviter les attaques type XSS, donc cross-site scripting, donc tout ce qui est injection de données, etc. Donc le but vraiment, c'est d'empêcher tout ce qui est vol de données, le fait de défigurer un site, etc. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est censé être la contre-mesure la plus prometteuse au niveau XSS. Dans les faits, on verra que, en fait, c'est pas du tout le cas. Donc là, une petite présentation. Il y a plusieurs niveaux au niveau CSP. Donc, il y a le niveau 1, donc, qui a été publié par le W3C en 2012. Donc on voit que c'est plutôt bien maintenu au niveau des navigateurs, enfin supporté. Le niveau 2, donc 2015. Donc là, on voit qu'on perd toute la stack IE. Et le niveau 3, qui est encore en mode draft, qui est encore en cours d'écriture actuellement, donc depuis 2016. Mais on verra qu'il y a quand même des choses qu'on peut déjà employer en pré-prod, enfin en production, sans problème. Donc c'est cool, apparemment ça sert à protéger mon site pour tout ce qui est attaque de données, etc. Donc je me dis, bah, c'est plutôt pas mal, comment on fait pour les activer? Donc ça, c'est simple, c'est juste une entête HTTP qu'on envoie qui se nomme Content Security Policy. Donc il y a plusieurs manières de faire. Donc PHP, Nginx, Apache, même une balise méta, si vous avez vu, c'est un front assez simple, etc. Attention, une petite alerte au niveau de la balise méta, en fait, on le verra plus tard, il y a certaines directives qu'on ne peut pas utiliser, donc le frame ancestor, ou report URI, ou le mode sandbox. C'est juste à titre information. Donc là, des petits exemples selon comment on veut les spécifier. Donc par exemple, on nomme Content Security Policy, on met notre directive, un point virgule, on met notre directive. On verra plus en détail. Donc la version PHP, comment ça s'écrit, la version Nginx, Apache, éventuellement une balise méta. On voit, hein, c'est toujours le même procédé, hein, directive, point virgule, etc. Donc là, on va faire une petite liste niveau 1, tout ce qui peut être supporté. Donc tout simplement une directive qui va permettre de définir en fait nos scripts, donc nos styles, c'est plutôt bien nommé hein, pour le coup, les images, tout ce qui est dédié à du XML HTTP request ou du WebSocket, donc connect SRC, tout ce qui est dédié aux fontes, web fontes, etc. Object SRC, donc c'est vraiment tout ce qui est plugging, éventuellement des objets, du flash, etc. Je dis flash parce qu'on verra tout à l'heure, petite faille. Media SRC, donc c'est vraiment tout ce qui est au niveau audio, vidéo, tract. Donc il y en a pas mal, il y en a plein. On a vraiment, pour toutes les ressources qu'on peut utiliser sur notre site, en fait, on a chacun une directive plutôt sympathique. Et là, on retrouve une autre directive qui s'appelle Default SRC. Donc c'est une règle qui est censée fallback, en fait, quand il n'y a pas une directive au-dessus qui a été spécifiée. Donc ça, c'est important, parce que moi, quand je me suis plongé dans les CSP, j'ai mis default SRC, donc j'ai mis une valeur. Et puis après, j'ai défini mon script SRC et je me suis dit, moi je l'ai mis dans la partie default SRC. Je pars du principe que dans le script, je ne vais pas le redéfinir. Mais en fait, c'est faux. En fait, il faut plus le voir comme un gros switch. Il va dire, OK, moi j'ai une directive qui s'appelle script SRC, j'ai défini des trucs dedans.
je n'ai pas de style, je n'ai pas d'image, boum, je fallback sur default SRC. Donc ça, c'est important de savoir, parce que du coup, si on met default SRC à self, on va le voir, donc on autorise soi-même, et que dans script, on met juste un lien, un host ou quoi que ce soit, ben, en fait, on refuse tout ce qu'il y a de notre propre domaine. Donc ça, on s'en rend compte assez rapidement. La partie niveau 2, pareil, c'est juste un petit listing. Pour l'instant, c'est juste de savoir tout ce qu'on peut faire. Donc, child SRC, donc c'est des trucs vraiment spécifiés aux web workers, donc les frames, iframes, etc. Form action, donc c'est vraiment tout ce qui est dédié au formulaire, donc on peut vraiment autoriser ce qu'on veut au niveau de l'action du formulaire. Frame ancestor, donc c'est un peu plus poussé, voilà, embed, object. Donc base URI, donc c'est vraiment le fait d'utiliser l'élément base sur son site et d'indiquer du coup l'URL ce qu'on veut autoriser ou pas. Utilisation des nonces ou du hash sur des scripts ou des styles. Donc ça, on le verra juste après, en plus en détail. Donc toutes ces directives, là aujourd'hui, c'était juste le nom de la directive. Donc script SRC, bien sûr, chaque directive attend des valeurs. Donc la valeur, ça c'est simple, hein, on la verra, c'est une valeur. Et puis on a juste à faire un espace pour mettre une deuxième valeur, un espace, une deuxième valeur. La seule exception qu'on va retrouver, c'est none. Parce que typiquement, si on met none, on n'est pas censé avoir d'autres valeurs à côté. C'est censé être une valeur seule. Donc là, j'ai fait un petit listing, hein, étoile, bon, ça veut dire ce que ça veut bien dire. Hein, c'est on accepte tout, none, on refuse tout. Self, donc on autorise son propre domaine avec son propre port, enfin tout ce qui va bien, on n'accède vraiment que soi-même. Data 2.1, donc ça concerne vraiment tout ce qui est data URI. Les protocoles, HTTPS, HTTP, donc HTTPS 2.1 bien sûr, HTTP 2.1. Éventuellement, un domaine avec étoile devant pour vraiment autoriser lab.elvournier.com ou www.elvournier.com. Unsafe inline, parce que par défaut, quand on commence à mettre en place des CSP, il refuse tout ce qui est code inline, que ce soit script ou style. On peut l'activer si on veut. Attention, si on active ça, ben, c'est potentiellement sujet à des failles XSS. Unsafe eval. Report sample, donc ça c'est plutôt bien. Ça permet d'avoir, par rapport à la violation, les 40 premiers caractères du code concerné, parce que c'est vrai que des fois, on va le voir après, c'est assez verbeux, et des fois on peut retrouver plusieurs violations sur la même page, des fois on n'a pas potentiellement la ligne définie, et du coup le report sample peut nous dire « Ah ok, ça correspond à ce code-là, parce qu'on a les 40 premiers caractères de la violation spécifiée, donc c'est plutôt pas mal. » Nonce avec voilà, un numéro et un hash, donc SHA-256, 384, 512. Le but, ce n'est pas de les connaître par cœur aujourd'hui, c'est de savoir voilà, qu'il y a des directives, des valeurs. On verra plus en profondeur juste après, ce sera plus clair. Donc là, en gros, c'est un petit schéma qui représente tout simplement nos balises, nos tags. Donc typiquement, je sais que je vais faire appel à une fonte, arrobas fontface, ben, je sais que je vais utiliser les directives fonte src. À côté de ça, du coup, je spécifie une valeur selon si je veux autoriser Google Web Font ou éventuellement ma propre fonte que j'ai stockée sur mon serveur. Pareil pour les formulaires, les scripts, etc. Ça, c'est simple, ça schématise bien le sujet. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Du coup, je ne me suis pas embêté, hein, je suis parti sur mon site, j'ai fait un petit site juste pour la démo. Donc là, je suis en local pour éviter les problèmes de Wi-Fi. Et puis, ça me permet de rapidement remettre à jour mes directives. Donc j'ai un site, hein, assez simpliste. Hein. Je rafraîchis ma page, je viens d'arriver sur la page. Et là, je me rends compte que dans ma console, j'ai des violations, enfin, j'ai des erreurs. Donc c'est comme ça que c'est répertorié en fait, les violations quand on met des directives. Donc là, on se rend compte que j'ai un problème, sur ma directive style SRC, je refuse moi personnellement, et puis voilà, j'ai un report sample. Donc on voit qu'à la ligne 21, donc il arrive à spécifier, donc quand je clique dessus, voilà, j'ai plus de taille, effectivement j'ai mis un style inline, vu que moi je n'ai pas autorisé, donc il me dit que j'ai une violation, super. Et du coup c'est bloqué, hein. Il n'est pas du tout affiché sur le navigateur, hein. C'est vraiment, voilà, là,
Là, pour le coup, j'ai changé une couleur sur mes titres. Mes titres, ils n'ont pas changé de couleur. Et là, j'ai une autre violation. Donc là, on voit que c'est sur du script, ligne 202. Et voilà, le petit coucou en dur, hein, juste pour la démo. OK, très bien. Donc là, c'est un petit exemple, hein, comment ça s'écrit. Hein, donc voilà, default SRC none. Donc moi, je refuse tout au par défaut. Moi, je suis comme ça, je préfère tout refuser par défaut. Comme ça, ça me permet après de vraiment spécifier les directives que j'ai vraiment besoin. Donc là, après, pour le coup, j'ai besoin de mes styles. Du coup, je m'autorise moi-même. Éventuellement, une URL, je vais aller choper du CSS, pourquoi pas sur un autre site pour m'amuser, ou pourquoi pas. Script SRC, donc pareil, je m'autorise moi-même. Base URI, self. Object SRC, none. Alors, si on a bien suivi, quand on spécifie default SRC, none, on n'a pas besoin de respécifier en dessous une autre directive, parce que ça fallback. Pour le coup, object SRC, moi, je préfère le définir quand même. On verra pourquoi après. Comme ça, moi, je sais que, OK, je l'ai défini, et on verra pourquoi c'est important de le définir et de ne pas se dire, ah, mince, j'ai oublié, ça peut être potentiellement une faille. Image SRC, voilà, j'autorise avec Google, pourquoi pas, et chercher des images sur Google. Et là, on a vu voilà, les violations sur Chrome. Sur Firefox, c'est un peu différent. Selon le navigateur, on n'a pas les mêmes informations. On voit que Chrome, c'est un peu plus précis sur certains détails. Mais typiquement, on a quand même la ligne, on a quand même pas mal d'infos. C'est plutôt pratique. Mais là, je me suis dit, à un moment, c'est cool, mais d'après ce que j'ai pu lire, mettre autoriser les scripts inline ou les styles inline, bah, c'est potentiellement, ça peut apporter des failles XSS sans problème. Quoi. Enfin, c'est ce que j'ai lu sur la doc. Mais des fois, il y a des trucs où, en fait, c'est bien. C'est-à-dire que, par exemple, sur un site, on appelle ça les CSS critiques, qui nous permet en fait, de charger rapidement une faille, de charger pratiquement une page rapidement, mais juste sur vraiment sur notre résolution. On sait que voilà, de temps en temps, on veut mettre nos CSS inline là pour pouvoir charger juste cette partie-là rapidement. Puis après, c'est le CSS, donc on appelle ça des CSS critiques, ou éventuellement, des fois, on a des scripts avec des events, des gestionnaires d'événements ou quoi que ce soit. Enfin, des fois, on est obligé, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a des solutions. Donc, on a vu tout à l'heure donc, un truc qui s'appelle nonce et hash. Donc, en fait, ça va nous permettre en fait, explicitement d'approuver en ligne, enfin, des trucs en ligne ou externes, et de dire, OK, ce code-là, moi, j'ai mis un numéro, un nonce avec un numéro, ou j'ai haché ce bout de code-là, du coup, moi, tu me l'autorises. Donc, comment ça marche? Donc, on reprend une directive sur, par exemple, un style. Donc, j'ai mis self, un nom de domaine, donc toujours pareil. Et là, script, là, on voit que j'ai mis nonce-un numéro aléatoire, enfin aléatoire, on verra tout à l'heure, et un SHA-256 et mon report sample. Super. Et bon, d'autres directives en dessous. Donc voilà. Donc là, le fait d'avoir défini ça, ben, je suis assurément sûr d'être sécurisé et de mettre des trucs live sans problème. Donc on va rentrer plus en détail, et après il y aura une petite démo pour mieux expliquer le fonctionnement. Donc nonce déjà, en fait, c'est vraiment dire que c'est utilisé une seule fois, et ça c'est assez important. Donc typiquement, on l'a vu sur une directive, on met nonce le numéro, et dans un script ou un style, on a un attribut qui s'appelle nonce, et on lui passe le numéro. Assez simple. Mais, donc voilà, le navigateur, il va voir qu'il y a ça, il va dire, moi, cette ressource-là, je ne le bloque pas, il a été autorisé. Mais voilà, bien sûr, il faut qu'il soit unique, comme je disais, régénéré à chaque fois, et bien sûr, secret, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit, faut pas qu'une personne, un attaquant, puisse pouvoir le prévoir, l'anticiper, parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc déjà, mettre en place des variables d'environnement, et même plus que ça. Au niveau du hash, on va voir que c'est un petit peu plus facile. Donc là, voilà, sur ma directive, j'ai mis SHA-256 avec le hash qui va bien. Et typiquement, voilà, j'ai mon script Hello World. J'ai rien fait, enfin, c'est mon script qui est inline dans mon code. Donc c'est similaire, en fait, ça va faire la même chose que nonce, hein, il va être autorisé. Sauf que voilà, j'ai rien à spécifier au niveau de mes balises, de mon HTML.
Là, j'ai un petit exemple sur du PHP. Vous pourrez trouver en ligne des générateurs pour détecter le hash. Selon le langage que vous utilisez, ça, il n'y a pas de problème. Donc, en gros, c'est un hash où on va choisir l'algo, donc 256, 384 ou 512. Ce qui est haché, c'est vraiment le contenu du script. Donc là, en fait, sur le script, on retire la balise script du début et du fin, et c'est vraiment le contenu JavaScript ou CSS qui sera haché. Et ensuite, derrière, on fait un bas64 en code, et ce chiffre que vous allez récupérer, ben vous mettez SHA-256, si c'est l'algo que vous avez utilisé, tirez le numéro que vous avez eu. Voilà, c'est assez simple. Moi, donc, et attention, bien sûr, le but du hachage, c'est que là, sur mon Hello World, si je mets un espace entre ma fermeture et mon point virgule, le hash change. Et c'est ça le but. Du coup, le script, il est inline. Si une personne veut l'attaquer, ben, le fait qu'il rajoute du code, ben, ça va changer le hash, donc il sera refusé. Donc, et là, c'est une question que je me suis posée. OK, c'est cool. On a les nonces où c'est, voilà, il faut générer aléatoirement, à chaque rafraîchissement de page, il faut qu'il change, etc. Et le hash qui est plus facile. Mais qu'est-ce qu'il faut utiliser ? Quel contexte, au quel moment tu dis je veux prendre ça, je prends ça ? J'ai la réponse. Donc le hash, c'est pas compliqué. Quand vous avez un code statique, donc c'est-à-dire que le contenu à l'intérieur qui ne change pas du tout, que ce soit du script ou du style, c'est pas compliqué. Enfin, quoique on pourrait le changer, mais en truc. Mais par exemple, si vous avez un code JavaScript où vous rafraîchissez la page et le code JavaScript à l'intérieur, il va changer, pour X raison, une petite variable qui change comme ça. Vous ne pourrez pas gérer un hash parce que vous allez rafraîchir et le hash va changer. Donc là, voilà, c'est vraiment la partie, vraiment, quand c'est statique, ça ne change pas, vous pouvez utiliser du hash, il n'y a pas de problème. Vous allez rafraîchir, le hash il sera toujours le même parce qu'il n'y a pas eu, sauf s'il y a une injection de code, mais voilà. Et là, c'est assez simple. Par contre, pour le nonce, voilà, c'est vraiment la partie où vous allez avoir du code non statique, donc qui va changer. Et là, pour le coup, vous n'avez pas trop le choix, quoi. Parce que si votre code JS, à chaque fois que vous rafraîchissez votre page, il change, vous ne pouvez pas le hacher. Donc vous serez obligé d'utiliser un nonce pour le coup. J'ai une petite démo pour vous montrer ces deux cas pratiques. On va plutôt revenir ici. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai deux bouts de code qui ne sont pas loadés, donc c'est du CSS et un script, qui sont statiques pour le coup. C'est en code, c'est en dur, il n'y a pas de truc particulier. Donc j'ai travaillé en amont, je vous passe la partie hash. Mais voilà, je sais que par exemple, pour mon petit script de mon style, ça correspond à ce hash-là. Très bien. Et pour mon petit console log qui me fait un petit coucou, voilà. Donc là, on peut voir, donc, je m'autorise moi-même. J'autorise ce hash-là qui correspond à un code, à un hash qui est spécifié au niveau de mon style. Et pareil pour le script. Très bien. Donc vu que je suis sur ma configuration Nginx, je la mets à jour. Je reload. Hop. Et voilà. Là, on voit que mes titres sont passés en espèce de bleu magenta. Et là, j'ai mon petit coucou, voilà. Rien d'extraordinaire pour le coup. Mais je me suis plus intéressé aussi aux parties nonce, parce que c'est vrai que c'est là où on s'est dit, ouais, mais c'est bien beau, mais on ne peut pas tout hacher, c'est pas aussi facile. Donc je me suis un peu intéressé à cette partie-là. Donc j'ai fait... Hop. Oups, pardon. Non, c'est pas celui-là. Décidément. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est un truc bête, je fais un console log, mais voilà, j'ai généré une variable, et à chaque fois que je vais rafraîchir ma page. Donc là, je vais juste pour vous montrer, préserver les logs. Donc là, on voit sur la partie sur Chrome, on peut se rendre compte que Chrome, il arrive à détecter, OK, moi, tu m'autorises self, un petit chat et report sample. Par contre, là, je vois qu'il y a un truc inline. Moi, pour moi, il correspond à ce hash-là, mais tu ne l'as pas mis. Si tu veux le rajouter,
Bah, tu prends ce hash et puis tu le mets. OK ? Sauf que là, quand je recompare mon hash, bah, c'est plus le même. Parce qu'en fait, effectivement... Alors, on ne voit pas très bien, là. Voilà, on voit bien que mon console.log, voilà, je me suis amusé juste à, voilà, à changer, à montrer que le code, il change. Du coup, bah, pas possible de... Donc, ce que j'ai fait, j'ai un peu cherché, j'ai regardé comment on pouvait faire... c'est plus par ici, voilà. Donc j'ai cherché un petit peu, je me suis dit, de quelle manière, il y a plusieurs façons de faire. Si vous faites du PHP, vous pouvez le faire en PHP, enfin voilà. Moi, pour le coup, je suis parti que sur du Nginx, donc je me suis amusé à recompiler un Nginx. Donc là, je me suis dit, OK, on me dit qu'il faut faire nonce. Alors, on est d'accord, hein, ce truc-là, c'est censé être une variable d'environnement. Là, c'est pour la démo, mais c'est une variable d'environnement qui est secrète. Et voilà. Là, c'est juste pour la démo. Donc, je me suis dit, le but, c'est OK, j'ai un nonce là, le but, c'est qu'il soit dynamique. Moi, derrière, j'utilise Nginx, donc j'ai cherché un petit peu. Et j'ai utilisé deux modules. Donc j'ai recompilé. Donc j'ai utilisé ce module qui s'appelle donc OpenResty. Donc c'est sect misc nginx module. Donc il y a plein, on peut faire plein de choses dedans. Et notamment on peut générer du coup des numéros random alphanumériques sécurisés. Voilà. Et donc là je lui dis sur un numéro donc 32 en valeur, enfin 32. Mets-moi dans cette variable là. Très bien. Mais à côté de ça, je dois aussi remplacer, on va dire, mon placeholder que j'ai mis dans mon code. Donc là, j'ai utilisé un autre module qui s'appelle Nginx HTTP sub module. Donc voilà, il y a la doc, l'information. Là, j'essaierai de vous mettre, je crois que dans les slides à la fin, il y a les liens. Donc là, ben, il y a des petites, voilà, il y a pas beaucoup d'options. Hein. Là, je lui dis, est-ce que tu veux remplacer à chaque fois ou une seule fois ? Donc moi, pour le coup, je veux remplacer à chaque fois. Là, on peut lui définir les types qu'on veut. Donc là, pour le coup, moi, j'ai mis étoile parce que il n'y a pas de problème, je veux tout. Et voilà. Et là, je lui dis, moi, tu me prends ce code-là, donc ce placeholder que j'ai mis là, et tu me le remplaces par cette variable qui est juste là, quoi. Très bien. Et puis, bah, là, le petit truc pour faciliter la mise en cache. Super. Hein. Et puis, voilà, pour la partie PHP, je me suis amusé. Petite variable, un petit paramètre là, comme ça, c'est comme ça que j'ai pu faire mon petit code dynamique sur mon truc. J'ai un peu triché. Et le truc, c'est que se dire, OK, au niveau de la directive, bah ça, c'est simple. Hein. Tout simplement, nonce tiré, et ce qui sera régénéré à chaque fois, c'est $CSP, la variable que j'ai nommée juste au-dessus. Donc, là, je suis content. Là, on voit bien qu'il a loadé, et si je rafraîchis, voilà, on voit que mon code JavaScript, il est appelé, qu'il est chargé, j'ai plus de violation. Voilà, nickel. Hop. Plutôt ça, voilà, c'est mieux là. Donc, c'est plutôt bien, voilà, j'ai regardé, j'ai touché à tout ça. Et je me suis dit, mais on a plein de notifs dans la console log. Puis à un moment, j'ai découvert un truc qui s'appelle le reporting. Apparemment, on peut faire plein de choses, en fait. Parce que voilà, aujourd'hui, CSP, c'est un peu true et false, quoi. C'est dès qu'on met en place les CSP sur son site, c'est tout de suite, ben, ça va le prendre en compte. On ne peut pas faire, oui, mais seulement si ça, non, c'est tu actives ou tu n'actives pas selon si tu as un hash, si tu as une liste définie, une valeur, etc. Mais en fait, on n'a pas vraiment les infos. S'il y a des problèmes, quoi que ce soit, on n'a rien. Mais en fait, s'il y a une directive qui s'appelle Report URI, qui va permettre d'enregistrer, d'avoir des rapports de toutes les violations qu'on reçoit sur notre site. Selon les directives qu'on a spécifiées, bien sûr. Donc, en fait, tout ce qu'on voit sur la console de Chrome ou de Firefox au niveau du navigateur, bah, ça, on pourra le récupérer. Donc là, un petit exemple sur la partie Nginx. Donc voilà, on voit nos directives. Et à la fin, on voit, j'ai mis report
-uri, et après, en fait, il attend juste une URL. Donc là, pour le coup, moi, j'avais mis une URL directement en relatif sur mon site. Donc, bien sûr, il faut qu'elle soit disponible sur votre site, hein, sinon, lui, il va faire une 404 parce qu'il ne va pas la connaître. Mais vous pouvez aussi mettre une URL si vous avez un truc... un site qui récupère des données ou quoi que ce soit, vous pouvez en cumuler plusieurs, c'est plutôt sympathique. Donc, juste avec toujours un petit espace. Et bien sûr, toujours fermer un point virgule si vous avez après d'autres directives par la suite. Donc, je disais tout au début, le point important à savoir, c'est que sur les méta, ben, on ne peut pas avoir de report query, quoi. Donc, si on utilise la balise méta, ben, on ne pourra pas faire du reporting. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ensuite, j'ai découvert un autre truc sympathique. C'est de pouvoir mettre en place des CSP progressifs. Parce que moi, quand je me suis mis à faire du CSP, bah, voilà, j'avais un truc à faire sur un site. On m'avait affecté un ticket et je devais voilà, mettre en place un système de CSP. Et il y avait des problèmes avec Google, avec d'autres choses et tout. Et puis, ben, je me suis confronté au truc et puis, ben, boum, échec. Et puis, ben, du coup, c'est ça qui m'a amené à chercher plus. Et là, je me suis rendu compte que, ah, ben, en fait, ils ont une autre en tête HTTP qui s'appelle Content Security Policy Report Only. Ça fait exactement la même chose. Donc, vous spécifiez exactement les mêmes directives ou pas. Enfin, ça se dit exactement la même chose. Sauf que ben, ça ne sera pas bloqué côté navigateur. Vous aurez les violations, mais les ressources, ils seront quand même affichés. Donc là, on se dit, putain, quand on voit ça, on se dit, putain, on est plus safe quand on veut mettre en place des CSP, quoi. Et en plus, bah, du coup, il bénéficie aussi de son report URI personnel. Donc, pour le coup, on peut, du coup, après, voilà, stocker en base de données, recevoir des mails dès qu'il y a des problèmes, on peut faire plein de choses. Puis c'est très rapide à mettre en place. Et ce qui est encore plus sympathique, c'est qu'on peut cumuler les deux. C'est-à-dire qu'on va dire, je dois mettre en place des CSP sur mon site. Je ne sais pas trop ce qui se passe, il y a des trucs qui sont appelés un peu partout. Ben, je veux partir sur la partie report only pour le moment, donc Content Security Policy Report Only. Je mets des directives, puis je vais voir ce qui se passe. Donc, je vais avoir les rapports, mais mon site, il n'est pas bloqué. Et puis, au fur et à mesure, vous traitez les trucs pour que ça marche. Et dès que c'est bon, ben, vous rajoutez le Content Security Policy avec les bonnes directives. Et vous faites progressivement une mise en ligne avec des CSP, et c'est plutôt pratique, vous pouvez mettre les deux. Franchement, quand j'ai découvert ça, je me dis... Mince. J'aurais été content de l'avoir quand j'en avais besoin. Et voilà, donc quand on utilise le report URI, en fait, lui va générer un post et on reçoit un objet JSON, tout simplement. Donc on reçoit exactement ça comme données. Il y a le lien pour avoir plus d'informations sur tout ce qu'on peut recevoir, mais là, typiquement, je pense que je vous ai mis la globalité. Donc là, on peut voir, on a l'impression que c'est assez verbeux à lire, mais en fait, non, c'est assez... Ah, ça, c'est simple. Là, on peut voir qu'on a, par exemple, sur la ligne 6, Original Policy. En fait, ça, c'est nos directives qu'on a envoyées ou auxquelles il y a eu une violation. Comme ça, on peut revoir. Donc là, on voit que c'est tronqué parce qu'il y a tout, mais peu importe, ce n'est pas l'intérêt, là. Mais c'est de savoir qu'en fait, on peut déterminer, selon la directive qu'on avait bypassée, enfin, tout ce qu'on avait mis dans notre liste blanche, ben, on peut savoir ce qu'il y avait par rapport à ce qui a généré la violation. Là, on voit que c'est un style. On voit que c'est en inline. On peut voir aussi au niveau de disposition qu'il y a enforce et à côté j'ai mis reporting. Du coup, il peut même savoir, vous pouvez avoir le même endpoint au niveau des data que vous recevez, parce qu'on peut même avec disposition savoir si vous êtes en report only ou si vous êtes directement en mode enforce en fait. Donc on peut détecter, ok, là j'ai une violation, mais c'est sur la partie reporting, ça va, ça n'a pas été bloqué, mais voilà, il faut peut-être traiter, il faut peut-être regarder ce qui se passe. On a éventuellement la ligne, donc ligne 70, et on voit, voilà, pour le coup, c'était sur le slash directement de mon site, mais on aurait pu avoir l'URL directement, par exemple, contact ou n'importe. Là, on voit le statut code et le script sample, voilà, c'est vraiment le contexte qui a été violé et c'est 40 caractères. C'est plutôt sympathique, hein. Quand on en a pas mal, puis que c'est souvent sur la même page, la ligne, des fois, on l'a pas tout le temps, la ligne number, on est content d'avoir ce petit contexte. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est cool. Moi, j'avais testé aussi, j'ai stocké en base de données, j'ai fait plein de trucs, mais c'est assez verbeux, c'est-à-dire que à chaque fois, je rafraîchis ma page, si j'ai 10 violations, il y a 10 personnes qui viennent sur mon site, où
vous multipliez, enfin, c'est à chaque fois que vous rafraîchissez, c'est une violation, c'est stocké, enfin, ça va vite, quoi. Et je me suis dit, il y a souvent des outils, il y a sûrement des outils qui font le taf, qui agrègent tout ça. Donc j'en ai trouvé deux. Donc le premier s'appelle uriport.com. Oui, ça va, ça c'est lisible. C'est un outil qui est en mode bêta aujourd'hui, il est gratuit pour le coup. On peut faire 100 000 violations par mois. Donc comme je vous dis, hein, si vous en avez 10 quand vous rafraîchissez votre page, bon, ça fait déjà 10, hein, donc on multiplie. On a pas mal de données, ça c'est rapide à mettre en place. Hein, dans la doc, ils disent l'URL à mettre, on le met au niveau du reportery, et ça fait le job, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire, pour le coup. Parce qu'en fait, lui, il va générer quoi? Sur cette URL-là, il va générer un post, et puis eux, ils vont récupérer ces données, et puis bah, ils font leur truc sur leur application. On a pas mal d'infos. C'est plutôt sympathique. Et vu qu'on peut mettre plusieurs URL au niveau du reportery, ben j'ai pu tester les deux en même temps. Donc le deuxième, c'est reportUri, c'est presque le même nom. Je pense que celui-ci est un peu plus mature. Pour ceux qui connaissent un peu les CSP, la personne qui l'a codé est très actif sur ce sujet-là, pour le coup. Il a fait d'autres sites, securityheaders.com. On voit que ce site-là, il est un peu plus mature. Il y a vraiment pas mal de documentation. Ils utilisent même, on peut même mettre en place d'autres choses plutôt sympathiques. Mais pour le coup, on a quand même les mêmes données. On a un dashboard avec tout ce qu'on peut avoir. Enfin, c'est plutôt pratique. L'avantage, c'est quoi, là, il peut savoir le nombre de fois qu'a été appelée cette violation. Enfin, voilà. Ça permet voilà, d'éviter à faire tout ce travail de notre côté. Donc là, je vais m'attaquer sur la partie CSP3. Même si c'est en draft, on va voir qu'il y a des trucs qu'on peut mettre en prod. Donc là, un petit listing de tout ce qui a été rajouté, manifest SRC, worker CRC, reportery, donc apparemment dans les CSP3, c'est déconseillé, il faut maintenant utiliser report tout, donc c'est une API. Petit aparté sur ça, en fait, ils conseillent même aujourd'hui d'utiliser les deux, c'est-à-dire de conserver le report URI, mais aussi de commencer à mettre en place le report tout. C'est compatible, il ne faut pas hésiter, c'est ce qu'ils préconisent dans la doc. Le terme self, maintenant, il correspond à HTTPS, WSS, donc au niveau des protocoles, et même HTTP. Moi, je trouve ça bien, parce que c'est vrai qu'on mettait self, puis on devait aussi définir le protocole qu'on voulait autoriser. Enfin, donc là, ils ont simplifié, c'est plutôt pratique. Script dynamique, on va le voir plus en détail, donc j'en parle pas pour le moment. On va vraiment travailler sur cette partie-là. Maintenant, on peut savoir si c'est du inline ou de l'eval, donc on l'a déjà vu sur les slides précédents au niveau de la violation. Donc on voit que c'est déjà mis à jour sur les navigateurs. Pourtant, c'est censé être en draft. Navigate to, donc apparemment, c'est une directive qu'on pourra avoir la main sur les liens, tout ce qui est location href sur le JavaScript de balise meta. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, comment ça marche? Ça veut dire que je pourrais autoriser, mais qu'est-ce que ça fait quand j'autorise pas ce type de lien? Ça fait une 404, ça fait un lien mort. Enfin, plein de questions, plein de débats. J'ai un petit lien juste en dessous, assez petit, mais c'est pour que ça rentre dans le slide. Vous pourrez avoir plus d'informations. Il y a un Google Doc avec des liens sur certains tickets. Ils expliquent sur quelle direction ils sont partis les navigateurs pour mettre en place cette directive. Le but premier, c'était vraiment pour tout ce qui est publicité, pour empêcher tous ces petits trucs-là. Et ensuite, voilà, il y a d'autres petits trucs qui sont en train d'apparaître, c'est le unsafe hashes attribute et unsafe hashes. Donc en gros, ça permet de pouvoir conserver nos gestionnaires de JS, donc unclick et tout, en ligne dans le code, mais de pouvoir leur mettre un hash, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc c'est plutôt pratique. Ce n'est pas encore pris pour le coup, ça, mais ça arrive prochainement. Donc quand j'ai commencé vraiment à creuser sur les CSP, je suis tombé sur un document de Google. Donc là, il y a le lien en bas. C'est un document, un PDF qui fait 12 pages. Et voilà, Google, voilà, c'est en gros CSP est mort, vive le CSP. Donc je me suis dit, ah ok, cool, il doit avoir des nouveaux trucs. Les insécurités sur la liste blanche et l'avenir de la politique de sécurité. Enfin, ok, donc j'ai lu ce doc et je me suis dit, ah quand même. Donc je vais un peu vous réduire le truc, mais n'hésitez pas à lire, c'est assez intéressant. Donc en 2016, Google, ils ont fait un article où en fait ils ont pu tester à l'échelle mondiale, parce qu'ils peuvent le faire à l'échelle mondiale avec tout ce qu'ils ont, ils ont pu déterminer qu'il y avait
pas mal de problèmes, pas mal de sécurité. Et eux, ils ont fait ça actuellement. Ils sont partis de la liste blanche, comme ils appellent, pour mettre en place ce qu'ils appellent le strict dynamique. Donc, dans leur document, ils ont pu remonter qu'il y avait 87% des personnes qui utilisaient donc des CSP, mais qu'ils avaient le unsafe inline, mais qu'il n'y avait pas de nom dessus de hash. Donc, en fait, c'est comme si on ne mettait pas de CSP. Bah oui, parce que bah, si on ne le hash pas ou on ne le protège pas avec un numéro qui n'est pas identifiable, bah, du coup, on peut quand même injecter. Donc, pour eux, c'est comme s'il n'y avait pas de CSP. 87%. 9% des personnes qui n'utilisent pas du tout default SRC, donc ça permet de fallback si vous n'avez pas mis les autres directives, mais surtout qu'ils n'ont pas non plus spécifié object SRC, parce qu'avec object SRC, on peut encore injecter du flash et du coup exécuter du JavaScript. D'où le mettre object SRC. Moi, je préfère le mettre à none, au moins je sais qu'il est défini. Et là, on va repartir sur un cas que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on se rend compte, OK, bon, j'accepte mon self, j'accepte un nom de domaine, et en flash, j'ai mis none. Très bien. J'appelle mon script avec script.js. OK. Sauf que ça, potentiellement, on peut se faire attaquer. En fait, on ne peut pas savoir en fait, ce qui a été fait au niveau de la lib ou qu'on utilise quoi que ce soit. Il pourrait utiliser un point de terminaison JSONP, et du coup, il pourrait, donc là, il y a un exemple juste en bas, utiliser après un callback et exécuter du code derrière. La solution, en fait, ça aurait été tout simplement, on peut conserver ça, mais il faut rajouter un nonce, tout simplement. Donc en gros, ça, c'est pas bon, et ça, c'est bon. Donc eux, ils appellent ça le mode SCSP strict, pour ceux qui ont déjà vu. Donc, avant, on était en mode en liste blanche, donc c'est vraiment, on a des directives, on met toutes les listes qu'on veut autoriser. Et maintenant, là, on va partir un peu sur un truc qui s'appelle mode CSP strict. Donc, il y a du taf à faire, hein, pour le coup. Donc déjà, c'est ajouter du nonce sur tous les scripts. Bien sûr, bah, on l'a vu, le nonce, il faut qu'il soit à chaque fois régénéré. Sur le code statique, il ne faut pas hésiter, hein, vous mettez le A, le chat, vous choisissez celui que vous voulez. Ben, revoir si vous avez du balisage avec des gestionnaires d'événements, un clic, tout ça, ben, il faut changer ça et mettre add event listener, et puis ben, après vous faites un chat derrière, et voilà, vous avez, mais voilà, il faut repenser tout ça, quoi. Pour information, c'est ce qu'ils ont fait Google sur pratiquement toutes leurs API. Google Maps, ReCAPTCHA, etc. C'est un gros boulot, mais ils l'ont fait. Donc là, le coup, aujourd'hui, les CSP de base, souvent, ce qu'on nous présente, c'est un peu ça, c'est une liste blanche. En gros, on a des directives et on met toutes les URL qu'on veut autoriser. Donc là, on voit, là, je suis parti sur un site assez connu et on voit qu'il y avait pas mal, j'ai pas tout mis parce qu'il y en avait un tas, mais on voit qu'il y a pas mal de trucs qui sont acceptés, on sait pas trop. Et le mode strict, en fait, ce qu'on ferait là au-dessus, ben, le mode strict, c'est ce qu'il y a juste en dessous, là. Donc on part du principe que j'ai peut-être un code avec des gestionnaires d'événements, donc j'ai un chat qui va faire le truc. Je mets la nouvelle directive strict dynamique. J'ai laissé unsafe inline, on va le voir pourquoi après, c'est important. Et HTTPS, on va le voir après, juste après, vous allez voir, c'est pas pour rien. Et puis après, j'ai mon nonce justement qui va générer mes scripts. On se dit, bah attends, c'est bizarre. Là, tu as une liste, puis là, tu me dis juste ça, ça marche. Enfin, moi aussi, j'étais un peu sceptique, mais j'ai testé. Voilà, une petite démonstration. Ouais, ça, on va laisser ici. Donc déjà... Non. Voilà. Donc là, je me dis, je load un script... J'ai appelé CDN, mais en fait, je me suis dit, j'ai trouvé un site, il y avait un petit bout de JS, ouais, c'est pas mal, plutôt que de l'appeler, ben, je l'ai récupéré, il rajoute un gestionnaire d'événements qui me permet d'afficher un bouton, enfin, un truc assez nul, voilà, j'ai pris, je me suis dit, je le prends chez moi, je m'embête pas, pourquoi pas, c'est pour la démo, hein, c'est vraiment pour comprendre comment ça marche, le strict dynamique, et pourquoi ça peut être intéressant. Très bien, donc je l'ai activé chez moi. Hop, ici, je vais enlever les... Et voilà,
Là, j'ai juste un script que j'appelle chez moi, que j'avais autorisé, je suis en self. Et puis là, il me fait, oula, mais t'essayes de loader. Ouais, je me suis pas embêté, je suis parti sur jQuery. t'essayes de loader jQuery. Quoi ? Enfin, moi non, je vais juste, quand je clique sur mon bouton, ça affiche une couleur. La librairie me disait que ça le faisait tout seul. Sauf que la librairie, lui, ben, derrière, il rappelle d'autres scripts. Il rappelle d'autres choses. Moi, je suis pas censé le savoir. Voilà, il rappelle d'autres choses. Ok, très bien. Donc idéalement, ben, je pourrais le prendre, l'ajouter dans ma liste, mais du coup, voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une énorme liste. Ou sinon, il y a... Et puis en plus, surtout qu'en ajoutant sur la liste, on a bien pu voir qu'on ne sait pas derrière s'il peut avoir un JSON P qui peut être appelé, ou même éventuellement, apparemment, Angular. Donc je ne m'attarde pas sur le sujet, moi c'est la doc, c'est le retour de Google. Je ne suis pas expert du tout Angular, j'en fais pas du tout, moi c'est plus React. Mais au niveau Angular, apparemment, Angular peut bypasser les CSP. Voilà, Angular peut bypasser les CSP. C'est-à-dire que vous appelez une librairie qui c'est du Angular, et ben après vous pourrez bypasser. Donc d'où le fait d'utiliser script dynamique. Et on verra, il y a un petit validateur Google, ils le disent eux-mêmes, c'est leur propre truc, ils disaient, ah mais attention, si vous utilisez une librairie Angular, votre liste blanche, elle peut fail, en gros. C'est plutôt marrant. Du coup, ok, je pourrais l'ajouter, ça marchera, il n'y a pas de problème. Mais après, je me suis dit, bon, je vais tester quand même le truc strict dynamique, ça m'intéresse. Pareil, je ne me suis pas embêté. Donc, typiquement, voilà, on n'a que ça à ajouter. Hop. Je ne veux pas le mettre ça parce que je vous le dirai après l'intérêt, mais pour le moment, ça n'a aucun impact sur la démo. Oula! Attends, on me dit, je mets strict dynamique, c'est censé marcher. Et là, j'ai plus de rouge que tout à l'heure. Alors effectivement, en lisant la doc de strict dynamique, ça va plus loin que ça. Dès qu'on utilise automatiquement strict dynamique, il va refuser tout le code qui n'a pas de nonce ou de hash, automatiquement. Même notre propre code chez nous qu'on a mis en self, il sera refusé. C'est la directive, c'est la valeur strict dynamique, c'est comme ça que ça marche. Donc en gros, mon code où j'ai mon JS chez moi-même avec mon propre code à moi, il est refusé. Et mon CDN aussi qui est quand même chez moi, il est refusé. Mince, c'est embêtant ça. Alors la solution, vu qu'aujourd'hui j'ai mon nonce qui est codé pour le coup, c'est pas grave, je peux faire ça, il n'y a aucun problème. Ça j'ai le droit, hein, parce qu'à chaque fois il sera régénéré à chaque fois, c'est pas gênant. Voilà, parce que j'avais déjà fait un nonce, mais après, voilà, si vous ne l'avez pas fait, au niveau du stat, parce que là, pour le coup, ce qui était vraiment bloqué, et là, on voit bien que mon jQuery, il est passé. Donc là, sur la petite démo jQuery, donc vous allez voir, ce n'est pas grand-chose, j'ai cliqué, mon bouton est devenu rouge. Et on voit qu'il n'a pas empêché de charger jQuery, et pourtant, il n'est pas dans ma liste blanche. Parce qu'il considère qu'en strict dynamique, on fait confiance par rapport à ce qu'on va charger. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu comme la liste blanche, mais il y a un peu moins permissif. Mais ça marche plutôt pas mal. Mais voilà, j'ai quand même mis des nonces ou des hashes, et du coup, je suis quand même sécurisé pour le coup. Sinon, il y a une autre méthode, plutôt que de gérer des nonces. On va dire que j'ai pas de script dynamique, donc j'ai aucun intérêt de faire des nonces. Donc je partirai sur un chat. Donc là juste en dessous, j'ai un petit exemple. Pareil, hein, c'est le même type de code. Hein. On va juste commenter ça. Hop. Voilà. Donc là j'ai encore mon petit coucou. Là. Ouais, on va le laisser, c'est pas trop grave. On peut même dire que celui-là... Bon, on va le laisser, c'est pas trop grave. Et là, j'ai fait un petit bout de script, en fait, qui permet de dire... là, on voit que c'est mes fichiers à moi en JS en local que je charge. Donc, je suis dans un script inline, en fait, hein, mais je les charge quand même. Et je crée un create élément, je fais un script et je les charge. Et voilà. Ça, c'est la recommandation sur le script dynamique, comment le mettre en place.
ça marche toujours pas. Là, j'ai mon coucou parce que j'ai mon H et j'ai mon once parce que j'ai laissé. Mais là, j'ai mon code à moi perso, ça marche pas, quoi. Là, si je vais sur mon bouton, il est pas affiché en rouge. Bah, effectivement, si on regarde, donc là, je crée ça, mais en fait, lui, ce qu'il va charger, c'est ce contenu-là. Donc ce contenu-là, en fait, c'est un script inline. Donc il faut le mettre, faut faire un chat. Ça, c'est un truc qui ne va pas changer. Donc là, je peux automatiquement faire un hash de ce code-là. Donc, pareil, j'ai un peu triché. Je l'ai déjà généré ici. Voilà, et là, il a appelé. Donc l'avantage de ça, c'est que même ce bout de script-là va charger mes propres JS, mais après, voilà, il ne peut pas se faire attaquer parce que ben, si quelqu'un va modifier ce propre JS, ben, il va être bloqué parce que le chat aura changé. Bon. C'est plutôt cool. On va voir un... Je réexplique un petit peu au niveau du mode script comment ça marche. Donc là, j'ai défini... Je suis en mode, voilà, sur mon script, j'ai un nonce random. J'ai mis strict dynamique. J'ai mis unsafe inline et HTTPS. On va voir juste là pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'on a dit depuis le début, il ne faut pas mettre de unsafe inline. Donc CSP3 avec support strict dynamique, aujourd'hui, sur Chrome 52 et plus et Firefox, c'est supporté, sans problème. Donc, le fait qu'on est en strict dynamique, il va... oublier tout ce qui est self, HTTPS, HTTP. Il ne le prend pas en compte. Voilà. C'est comme ça, c'est la directive strict dynamique. Le fait que j'ai un nonce ou un hash, peu importe, là, je n'ai pas mis hash, mais on peut avoir les deux, un nonce ou un hash minimum spécifié dans ma directive, unsafe inline, CSP2, ne sera pas lu. Ça veut dire qu'il va ignorer unsafe inline, parce que dans les CSP2, par défaut, si on a un nonce minimum ou un hash, il va refuser tous les scripts inline qui n'ont pas de nonce. C'est CSP2. Donc très bien. Maintenant, je suis en CSP2, donc navigateur qui supporte que CSP2. Donc CSP2, il y a des nonces. Donc strict dynamique, il ne le comprend pas. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai dû mettre des nonces et des hash partout, parce que strict dynamique me l'oblige. Du coup, le unsafe inline, bah, il n'est pas lu, donc ce n'est pas grave. J'ai quand même tous mes scripts qui sont quand même protégés. Et là, pour le coup, il va lire le protocole HTTPS. Très bien. Je repars sur du CSP1, donc c'est IE. Ouais, ça, ouais. Bah là, il ne connaît pas nonce, strict dynamique, il ne connaît pas. Bah, du coup, ce n'est pas grave, j'ai accepté une safe inline et je suis en HTTPS. Très bien, ça marche. Donc pour un petit IE, il sera quand même, mon site sera affiché. Donc si on fait un petit récap de tout ça, donc on va dire il y a la partie liste blanche, où vraiment on spécifie vraiment tout, ou script dynamique. Donc pour le coup, moi j'ai testé les deux, c'est parce que je voulais voir quel était le plus avantageux, etc. Je pense que c'est selon le besoin. Je veux dire, si vous avez un truc assez complexe, avec plein d'appels et tout, puis que vous voyez que c'est peut-être compliqué au déploiement de gérer plein de listes, vous vous trompez, enfin, ça peut être assez compliqué. C'est vrai que le script dynamique, ça remplit le boulot sur des applications assez modernes ou quoi que ce soit. Au niveau de la liste blanche, ce qui est vraiment important, même si vous êtes en liste blanche, c'est de mettre des nonces ou des hashes. Enfin, c'est vraiment ce qui est important. Parce qu'on a pu voir qu'en fait, ben, avec une liste blanche, qu'on appelle une URL avec un JS qui fait quelque chose, ben, on ne sait pas, on peut quand même se faire attaquer. Et le minimum, pour moi, qu'on devrait avoir, voilà, c'est un default SRC à none. Voilà, c'est assez... Enfin, c'est assez bourrin, mais au moins on sait que voilà, j'ai tout désactivé, et puis après je nomme vraiment ce que j'ai besoin. Donc on le verra sur les violations, il n'y a pas de problème, mais au moins vous savez vraiment ce que vous avez. Donc là, object src, voilà, none, et base URI, pour moi, on devrait avoir que self ou none. Souvent, on mettrait même, ils préconisent de mettre none, pour le coup, mais si on ne peut pas, au moins un self. Parce que même avec base URI, si on change l'URI, ben, on pourrait injecter des choses sans problème. Il faut utiliser le reporting, hein. Pour le coup, il ne faut pas s'en passer, c'est assez simple à mettre en place. Moi, ça m'a mis 5 minutes, 10 minutes, pas plus pour les deux. Enfin, faut pas hésiter, c'est plutôt pratique.
pareil, hein, utiliser le report only, avec les deux même, c'est génial. Donc là, faut pas hésiter à faire valider vos directives aussi. Y a pas mal d'URL. Donc là, c'est la partie... ici, c'est la partie de Google. Donc, si je prends... Donc si je prends ça, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, c'est un peu... Donc voilà, là il vous explique bien. Hop, sur la partie CSP3, donc on voit bien, il vous donne des informations, ok, bah, Strict Dynamic c'est lu, c'est bien, il y a des hashes, il y a des chats, enfin c'est plutôt pas mal. On passe en version, on peut mettre aussi une URL hein, directement, on n'a pas besoin de mettre les directives, il va savoir analyser, il va les mettre correctement. Donc voilà, hein, il dit bien self il ignore parce qu'il est en mode Strict Dynamic. Oui, bah en fait, effectivement. J'ai mis la variable, c'est pour ça, il me dit qu'il faut 8 caractères. En fait, j'aurais dû avoir le vrai truc. Bon, là, c'est parce que j'ai pris... Mais on est censé avoir un vrai caractère, et donc voilà. Mais ça, c'est parce que j'ai copié mon nom de variable. Voilà, bon, là, je suis toujours bien sur le CSP3. Au niveau 2... Hop. Donc, au niveau 2, donc, bah, toujours bien. Donc il me dit que self, effectivement, ça peut être problématique parce que du coup, ben, au niveau des JSONP, Angular ou des fichiers utilisés, uploadés par l'utilisateur, enfin c'est... Et voilà, et là on voit bien que sur le 1, ben, y a pas mal de choses qui est pu utiliser. Et ce qui est marrant d'utiliser, c'est de prendre des sites existants et de tester leur propre directive où il y a une liste blanche, et là vous allez voir, vous allez avoir du rouge, ils vont vous donner, pour le coup ils donnent pas mal d'informations, mais après voilà, ce qui est plus important c'est vraiment d'essayer de mettre des hashes et des nonces au maximum que vous pouvez sans problème. Ouais, du coup, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est tout pour moi. Là, il y a une petite liste de liens auxquels j'ai pu travailler, faire mes recherches, des trucs plutôt sympathiques. Et puis, vous pouvez me retrouver sur mon GitHub ou Twitter. Puis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. J'avais une question sur les sites de report URI que tu nous as montré en mode SaaS oui. Tout à l'heure. Est-ce que tu as évalué l'impact de l'utilisation de ces sites dans le cadre du RGPD sur la politique de traitement des données et... Non, je suis désolé, non, pas du tout. Non. Pour le coup, je ne sais pas du tout après eux ce qu'ils en font derrière ou quoi que ce soit, mais effectivement, je ne me suis pas encore posé la question sur ça, mais c'est une question super intéressante pour le coup. Ok, merci. Juste un complément sur un outil qui fait reporting, il y a un soft qui s'appelle Sentry qui fait plutôt du reporting de bugs en prod. Il a une partie pour le CSP en natif aussi qui supporte ça. C'est une feature qu'ils ont sortie l'année dernière et je te conseille de tester. Ils ont aussi une offre SaaS si tu veux voir à quoi ça ressemble. Il y a une version on-prem qui est open source au besoin. D'accord. Et ils ont une option pour anonymiser les données pour le RGPD. Enfin, je ne pourrais pas t'en dire plus. Mais... D'accord, super. Bah, je viendrai te voir pour avoir plus de détails. Et c'est plutôt intéressant, oui. Merci pour ta présentation. J'avais une question par rapport à la génération des hashes, notamment sur des ressources JavaScript qu'on voudrait oui. Stocker. Est-ce que tu connais des façons d'automatiser le calcul de ces hashes, peut-être en couplant Webpack d'un oui. côté, par exemple, et puis un plugin de Nginx pour récupérer ces valeurs-là, plutôt que de devoir les calculer soi-même, les rajouter dans la conf. Enfin, j'imagine que ça peut être un peu laborieux.
Effectivement, c'est un truc que j'ai commencé à travailler. Je bosse pas mal avec React et Webpack. Et pour le coup, je sais que Webpack, on peut déterminer, en fait, lui fait un hash, on peut déterminer l'algorithme. Donc je sais que par défaut, c'est MD5. Et on peut lui déterminer le, si on veut utiliser un SHA-256. Et effectivement, mon but, c'est d'essayer de mixer ça pour qu'on ne s'embête pas à le faire à la main, effectivement. Mais j'y travaille pour le coup et je pense que ça peut être plutôt pratique. Parce qu'à chaque fois, de le refaire à la main, bon. Après, je ne m'en rends pas compte, est-ce que vraiment un site, le JS, en mode développement, je pense que oui. Mais après, est-ce que quand on maintient un site, on a beaucoup de trucs qui changent au niveau JS ou style, au niveau des directives, est-ce qu'on les change? Je ne me rends pas compte. Mais effectivement... Ça peut être intéressant pour le coup. Mais j'ai commencé à regarder parce que je me suis posé la même question. Relou. Rebonjour, c'est toujours pas une question, c'est toujours pour dire un complément. C'est pour ceux qui font du server-side rendering en JavaScript, il y a Next.js ou en React ou Nuxt.js en Vue. Qui supporte le CSP avec la génération a priori dynamique des SHA-1, des notes. D'accord, ok, merci.